Et il entend une voix qui demande d'aller au désert. C'était terrible même pour ses parents. Parce qu'à l'époque, le sacerdoce était transmissible. C'était le père en fils. Si ton père était sacrificateur, c'est ton fils, c'est le fils, c'est toi qui prenais sa place. Donc c'était comme ça le sacerdoce aaronique, ça fonctionnait. Oui. Donc c'était que dans la tribu de Lévi. Moi je suis douce, il fallait être Lévi. Il fallait être un Lévi pour espérer un jour servir au temple. Et imagine, et déjà là, le Seigneur va le sortir. Pourtant, son père Zacharie était sacrificateur. Elle ne connaît pas la parole. En temps normal, c'est lui qui devait remplacer son père. Et ces gens-là, ils travaillaient pour les dîmes. Ils sont méconduits. Et son pasteur, je ne peux pas les dire. Il fait les dîmes, il dit. Il doit l'enseigner. Il est parti. Et il a rempli la femme, ils sont séparés avec les enfants. Il a pris le chemin pour trouver une nouvelle haine. C'est que Jésus est venu. L'homme en question est à la fin de Dieu, n'est-ce pas? Il ne doit pas dire de ses états croyants, parce que c'est la même chose dans le cœur de cette femme, le cœur de sa femme, son épouse. Et si c'est la volonté du Seigneur, cette femme sera touchée. Tu vas dire à ton ami, c'est des convictions que tu reçois dans ton cœur. C'est des convictions que tu reçois dans ton cœur. Et il va donc prêcher et les gens fuyaient des synagogues, tout ça, pour écouter cet homme-là, Jean-Baptiste. Et c'était la voix de Dieu pour les hommes, les femmes de sa génération. Et quand nous lisons, quand nous lisons Luc 7, verset 29, donc, la Bible, les publicains et des gens de mauvaise vie, femmes adultères, ils ont glorifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, ils ont épousé le message de Jean. Contrairement aux scribes, aux pharisiens, ceux qui avaient de place, ils exerçaient le sacerdoce, ils ont refusé ce message parce que c'est un message qui ne les arrangeait pas. Tu comprends? Ça ne les arrangeait pas, ils ne voulaient pas servir Dieu dans la sainteté, ils créaient une équité avec le Seigneur. Quand une femme n'est pas mariée, il y avait un émission. Oui, ils ont préféré la gloire des hommes. Ils aimaient les associations avec les grands orateurs. Ils ont préféré leur position restée dans ce cas-là. Et pourtant, le Seigneur voulait les passer de la loi à la grâce. Dieu ne tient pas pour les temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui perpétuent ça, en fait. Alors que il y a des choses qui étaient autorisées dans l'Ancienne Alliance, parce que Jésus, c'est le sou qui fait le pont entre Dieu et les hommes. Tu vois, entre Dieu et les hommes. Les gens doivent aller directement à Christ, et non à un homme. Satan, à un homme. Voici les signes. Il y a des signes qui accompagnent tous les croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il ne pas dit voici les signes qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Tu vois? Non, ou les hommes de Dieu. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les hommes de Dieu, c'est j'aime la fille, non, il faut comprendre. Dieu peut briser ce lien. C'est un lien. Ça peut être un lien héréditaire. Dans la famille que son père avait l'habitude de... C'était un coureur de jupons. Et on hérite ça. Il y a un héritage qui est génétique, en fait. Tu vois? On hérite ça. Et Dieu, le Seigneur brise ces liens-là, en fait. Il brise l'accoutumance. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Hein. Donc le Seigneur brise ces choses. Et on devient témoin. Et les gens qui nous ont connus, ils peuvent dire que tel homme était il vivait de telle manière, sa vie est transformée. Amen. Donc le Seigneur transforme les cœurs. Attention, c'est des paroles que tu scelles dans ta vie. Donc il faut bien écouter ce que la personne, quelqu'un ne peut pas se mettre à parler en langue. Tu ne comprends rien. Tu dis Amen. Peut-être qu'il est en train de glorifier le diable. Toi, tu dis seulement Amen. Ou il est en train de juste parce qu'il y a, ça, il y a des paroles en langue qui sont des gens qui sont possédés. Tu crois que c'est le Saint-Esprit alors que c'est un démon. Il est en train de prononcer des blasphèmes. Et toi, tu vas seulement dire Amen ou Amen ou Amen ou. Non. Il faut que tu écoutes ce que la personne, celui l'a dit. Si c'est en conformité avec la parole, tu vas dire Amen. Même répondre Amen à la prière de quelqu'un, il faut que tu comprennes. Quand tu comprennes cette prière, c'est qu'il a oui. Qu'est-ce qu'il a prié? Tu vois un peu? Tu dois être libre de pouvoir lui donner une prière. Tu ne pourras pas décrire ça avec Amen, Amen. J'ai une réputation par la femme à tout ce que tu as dit en même temps. Donc, je vais toucher des choses qui se prennent de l'eau. Je vais m'attaquer à la situation de l'eau. Ah, Oui,
ça dans ta parole, est-ce que tu pourras voir la même énergie de toi? Oh, si tu crois un peu, si tu crois seulement, lève-toi. Mais Lazare, puisque Lazare avait déjà fait le but. Là, c'est le but. On ne peut pas, sans Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas obtenir le pardon de ta vie, la transformation intérieure. Tu vois, tu ne peux pas. Les marabouts proposent. Les pasteurs sont dit, ce sont des marabouts. Ce sont des marabouts qui proposent des choses. Ils vont condamner. On va cotiser 10 000 fois. Je ne parle pas du salut. C'est pas le cœur. Moi, j'ai un pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas? Tu viens, si tu n'as même pas, ça va. Quand on les appelle les bichons, le jour que tu dis que ton pasteur, le pasteur te dit que non, on va donner à tel pasteur. Parce qu'il a eu la grâce. Grâce à qui? Ils montrent avec leur femme. La loi est qui s'affiche. Donc, si... Il vient, il est à toi. Au service du Seigneur. Tu vois, tous au service du Seigneur. Et chacun servant selon l'appel et la vocation. Parce que la Bible était une diversité de ministères, une diversité de dons. Tu vois, une diversité. Mais le même esprit, une diversité d'opération. Donc tu dois connaître dans quel pouvoir Dieu te. Le Seigneur vous bénisse.